Marisol, c'est elle qui s'occupe de l'événementiel. C'est une amie que je connais depuis plus de 30 ans. Et puis quand j'ai cherché quelqu'un pour l'événementiel, elle m'a répondu à une petite annonce et j'ai dit, mon Dieu, bon sang, pourquoi j'ai pas pensé à elle plus tôt? Et depuis, on s'est pas lâché. Je lui ai confié toute la partie chef, espace VIP, qu'elle a très très bien menée. Je suis très contente. Formidable. Quatrième émission, gros succès. Quand j'ai commencé en 2015 avec 64 exposants et 15 000 visiteurs, on est vraiment très loin de tout ça. En plus, on n'est plus à la porte de la Villette, nous sommes à la porte de Versailles depuis 2 ans et le salon progresse de plus en plus, à de plus en plus de personnes qui le réclament à l'étranger. Et maintenant, je vais travailler dans ce sens pour exporter ce salon à l'international, pour faire mieux connaître encore nos spécialités des régions d'outre-mer et de la francophonie. Même dans mes rêves, j'avais jamais imaginé un jour que le prénom Babette frapperait aussi fort. Même je suis la première étonnée. Quand j'entends comment les gens parlent de Babette, quand je vois les gens qui viennent vers moi, qui pleurent d'émotion, quand je vois tous ces compatriotes qui se rapprochent de moi, qui me disent des mots, j'avoue que j'ai beaucoup d'émotions, ça me touche beaucoup. Mais en même temps, je me dis, la petite Babette qui est arrivée à Paris comme une immigrée, qui était comme un gilet jaune, qui a connu les paliers de la charrette sociale, qui a pris l'ascenseur social et qui maintenant a un prénom, Babette. Babette, c'est tout. Vous avez une femme politique. Babette, c'est tout. C'est tout. C'est la femme, tout court. Écoutez, moi, pour moi, il n'y a pas question d'époque. Il y a question que la Babette a été mise au monde. Il fallait qu'elle s'affirme. Contre vents et marées, il fallait qu'elle réussisse. Il fallait qu'elle choisisse un métier. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai été très déterminée, très jeune. Contre les interdits, parce que la cuisine, ce n'était pas un métier. Quand j'ai annoncé que j'allais faire la cuisine, c'est comme si j'avais tué ma mère. Elle m'a demandé de choisir entre la cuisine et elle. Choisis la cuisine. Donc déjà, j'étais déterminée. Et à partir du moment où j'ai choisi la cuisine, je me suis tenue à la cuisine. J'ai mangé la vache noire, la vache blanche, la vache enragée. Mais j'ai gardé le cap. Et je suis arrivée jusqu'au bout par ce beau métier du monde, la cuisine. J'ai fait les deux en même temps. J'ai fait les deux métiers en même temps. J'ai commencé par la télé. J'ai gardé la télé tout en faisant la cuisine. C'est complémentaire. Et puis de par ça, j'ai pu véhiculer toute ma culture à travers le monde pratiquement. J'ai travaillé chez les têtes couronnées. J'ai travaillé chez bon nombre de personnes. J'ai travaillé à l'ONU pour tous les chefs d'État. Et bien, j'ai véhiculé notre culture créole un peu partout. Ce sont des extrémistes, ils ne m'intéressent pas. Mais je respecte leur choix. Mais pour moi, les véganes, ce sont des extrémistes. Ce sont des tueurs de goût. Donc moi, je suis une réhausseuse de goût. Alors je ne peux pas cautionner le véganisme. Mais je respecte. Mais moi, je suis là pour rehausser les goûts avec mes épices. C'est ma culture. Donner envie aux gens à déguster mes plats. Et surtout donner envie aux gens de voyager dans l'assiette pour plus tard aller découvrir les Outre-mer. C'est le thème des épices. Voilà. Parce qu'au début, on me critiquait avec mes épices. Qu'est-ce qu'elle nous a parlé de ces épices? Maintenant, je vois tous les chefs, maintenant, ils essayent de mettre des épices n'importe comment dans leurs plats. Mais moi, j'ai cette culture-là. Je suis tombée dans une marmite d'épices. Donc, je suis là pour rehausser le goût. Parce qu'il faut un amalgame entre épicé et pimenté. Épicé, c'est une chose.
pimenter, c'en est une autre. J'ai eu du mal à faire comprendre ça. Et ce que je leur ai donné comme démonstration, quand vous mangez un steak, vous ne mettez pas un pot de moutarde dedans. Hein? Ah ben voilà, ben quand on mange un plat créole, on ne met pas un pot de piment dedans. Le piment est à côté. Je pense parce que quand Air France m'a demandé en tant que première femme créole de cuisiner pour Air France dans les classes business et première, c'était une grande fierté. Et quand j'ai inauguré mes plats sur Air France habillée en chef, en passant dans les allées, dans l'avion, c'était pour moi une grande émotion. Vos impressions sur cette 4e édition qui se termine ce soir? Formidable, bonne, joyeuse, heureuse. J'ai donné du bonheur à plein de gens. Que ce soit de l'Hexagone ou des régions d'outre-mer ou de la francophonie. Parce que l'Hexagone, c'est aussi les régions d'outre-mer. Un petit mot sur le livre, moi, Babette. Alors, c'est pas vraiment un livre, c'est un tapuscrit. C'est mon tapuscrit qu'on a édité. Je monte 2 étages dans ma maison tous les jours. Donc c'est le sport de Babette. Et Babette, au niveau diététique? Ah, je mange équilibré, je mange tout et je ne grossis pas. Je fais très attention à ma ligne, je fais très attention à ma peau, je fais très attention à ma beauté et je fais très attention à ce que je porte. Ses enfants, mais c'était pas un métier. Et les femmes cuisinières de Guadeloupe, ce sont les premières qui ont créé une association de cuisinières avant les gens de l'Hexagone. Parce que nous, quand on a créé une association de cuisinières en 1989, on a voulu rentrer dans la confrérie des hommes. On nous a dit qu'on n'était pas capable de rentrer dans ce métier de cuisinière en 89. En tout cas, pas vraiment, parce que je demande à toutes ces femmes de poursuivre ce qu'ils ont commencé, de ne jamais lâcher prise, parce qu'une femme, c'est châtaigne.